Finalement, ce que moi je recherche le plus, c'est des atmosphères, des ambiances. Quand j'écris des chansons, plus qu'un sujet ou qu'un thème ou qu'une prise d'opinion, je cherche à recréer un peu de la vie. Et du coup, ça passe souvent par effectivement quelque chose d'assez visuel. Si dans le début de la chanson, il n'y a pas un décor qui est donné, une atmosphère qu'on sent et qui est donc quelque chose d'assez descriptif et photographique, c'est vrai que ça m'intéresse pas tellement d'aller plus loin. Pour citer une chanson précise sur le dernier disque, une chanson qui s'appelle Photographie, elle, ça c'est sûr, et qui fait référence à une photo que j'avais faite au Brésil il y a 2 étés. On voit mes 2 enfants et ma compagne au loin, un peu sur une dune, qui font comme 3 points, et qui représentent un peu une sorte d'idéal amoureux, évidemment, et familial, mais aussi d'idéal d'évocation. Parce que c'est une question qui est toujours un peu particulière, où on place le curseur de l'intime, de ce qu'on dévoile de sa vie ou pas. Pour moi, qui essaye beaucoup de retranscrire la vie, des choses qui nous touchent, par lesquelles on est tous passés, ça n'aurait pas de sens de pas du tout faire allusion à ce que je vis chez moi. Et en même temps, j'aime bien aussi qu'il y ait une limite, à la fois moi pour protéger les gens qui m'entourent, mais aussi pour que les gens qui regardent les photos ou qui écoutent les chansons puissent projeter leur vie à eux aussi en même temps. Et donc très tôt, dans les spectacles, il y a eu oui, la présence d'images. Finalement, le seul truc que je vise, c'est que les gens soient touchés, qu'ils sortent de la salle en se disant « Ah ouais, quand même, c'est quand même marrant d'être en vie parce qu'on passe par ce truc-là, on ressent ça, on est amoureux comme ça. » Et pour obtenir cette sensation, bah, il faut faire un peu feu de tout bois, et en tout cas de plusieurs bois, et mélanger encore une fois des choses, des images, des sensations, des mots. Et d'ailleurs, les fois où j'ai publié des photos, que ce soit pour Actes Sud ou plus récemment chez Polka, j'aime bien aussi qu'il y ait toujours un texte, mais des fois ça peut être juste un mot, pour créer une impression globale en fait. Que ça reste ouvert pour les gens, que ce soit pas un truc fermé qui dise « Ah oui, d'accord, c'est son histoire, et puis moi ça me regarde pas. » C'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Quand j'ai fait le projet du film, c'était un projet d'emblée où je voulais que ce soit très photographique. Moi, je sais que j'ai souvent été quand même très touché par la photographie dans le cinéma, et donc voilà, je voulais que le film ressemble un peu aux photos que je peux faire, très axial, avec voilà, un plan idéalement un peu graphique et des choses comme ça. J'étais tellement attaché à cette idée de photo que j'ai préféré changer le contenu et à commencer à récolter des vrais témoignages, aller voir des gens et mélanger ça avec des choses qui étaient écrites. Jusqu'au moment où on ne savait plus ce qui était vrai, pas vrai. Et le fait qu'il y ait eu ces vrais témoignages, bah, ça a amené du mouvement, ça a amené de la vitalité dans le projet. Donc le film s'est fini comme ça. Donc encore une fois, l'interaction image et musique, elle se fait évidemment, mais elle ne se fait pas comme une sorte de décision froide. En fait, les choses se complètent au fur et à mesure.